Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, je vous invite, si cette vidéo vous plaît, et puis certainement d'autres vous plairont, à vous abonner, à mettre la petite cloche comme ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez notifié. Et puis aussi, si ce que je vous présente vous donne des suggestions pour faire des cadeaux de Noël, ça fait toujours plaisir de le savoir, donc laissez-moi un petit commentaire là-dessus. Je vous mets de toute façon les liens des ouvrages dans les descriptifs pour que vous puissiez les trouver. Alors, vous aimez les jeux d'horreur, vous aimez le cinéma d'horreur, vous avez toujours voulu jouer dans un film d'horreur, voire même être la victime de ce genre de film. Vous êtes plutôt quelqu'un de narratif que joueur avec des dés ou en tous les cas, sauf cas exceptionnel. Et je pense que Sombre la peur comme au cinéma est un jeu qui sera parfait pour vous. C'est un jeu de Joan Sipion, c'est un jeu d'horreur contemporaine. Enfin, quand je dis un jeu, il y a plusieurs systèmes dans un jeu qui proposent différentes manières de jouer en fonction de vos envies, qui met en scène des anti-héros, qui essaie de survivre dans un monde particulièrement violent et hostile. Donc ça reste assez commun, on va dire. Alors, l'univers de jeu qui est proposé, c'est quand même celui du film d'horreur contemporain qui est vraiment dur. Je tiens à le préciser, c'est-à-dire que le côté boucherie-charcuterie à côté, c'est pipi-caca. comme je le disais lors de la présentation, le système qui est mis en avant, c'est la narration. Donc, ça propose des jets en D20 uniquement lorsque les situations, quoi, il y a des situations particulières. Et c'est en fonction d'un barème par rapport au résultat qui doit être inférieur à la jauge de caractéristiques concrètes. Donc, c'est pas très très compliqué, sachant qu'en plus vous avez deux caracs, vous avez corps et esprit. Et si c'est un jeu, quoi, en tous les cas, si vous avez le cœur bien accroché et les nerfs solides, je pense qu'il est largement accessible pour vous. C'est un jeu d'ambiance, donc vraiment qui doit avoir ce côté noir, sombre, comme on pourrait les avoir dans ces films en noir et blanc à l'ancienne. Voir les films d'horreur des années 80, moi, que je trouve très sympa. Par contre, si vous prévoyez de faire des parties courtes, les règles, elles sont pas prévues pour l'acquisition d'expérience. Enfin, il faudrait déjà que vous arriviez à survivre au scénario. Et il y a beaucoup de diversité. Johan, il propose 24 ouvrages. Il y a 11 hors-série parmi ces 24 ouvrages. Tous dans un style différent horrifique, donc ça peut être du Cthulhu, ça peut être qu'est-ce qu'il y a, du mort-vivant, ça peut être genre cauchemar de la nuit, ça peut être plein de choses. En fait, selon le MJ, selon vos envies, vous pourrez acquérir pas mal d'univers différents dans le horrifique, et je pense que c'est très très sympa. Alors les livres sont comme ça, voilà, c'est des petits livres qu'on peut trouver. Ils sont à 10 euros, ils sont bien faits. Par exemple, moi j'ai le numéro 2, j'ai pas les autres. J'ai le numéro 2 qui est fait, donc ça donne un petit peu tout le système, tout l'univers. Ça, c'était. J'avais pris celui-là parce que c'est un système avec qui est fait comme ça et qui permet de jouer en gros en 5 minutes. Voilà, une partie de JDR en 5 minutes, c'est ce que John proposait lorsqu'on s'est rencontré à Japan Expo. Et j'avais trouvé ça très très sympa. Et chaque livre va vous apporter soit un système, je crois qu'il y a trois systèmes différents, plus ou moins compliqués. Et puis plein d'informations sur les univers, plein en termes de scénar, de choses comme ça. Voilà. Donc Sombre, la peur comme au cinéma. Moi, c'est un livre que je conseille pour ceux en tous les cas qui aiment l'horrifique. Je le trouve très sympa. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif, comme je vous l'ai dit. Et si vous aimez le livre, ou moi, ou cette chaîne, je vous invite à mettre des petits likes, ça m'aide. Ça m'aide à upgrader, à faire connaître un peu plus mes vidéos, ma chaîne. Je vous invite également, bien sûr, à vous abonner, comme je vous l'avais demandé au début de la vidéo. Je vous laisse avec beaucoup de sombre IT. Mais je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ciao et faites pas trop de cauchemars.